Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, vu que j'ai vu que vous étiez très content que je sois à nouveau sur YouTube, que je fasse des vidéos. Alors là, aujourd'hui, je vais vous faire le tirage de Faites votre choix et on va combiner avec le livre. Je vais vous montrer comment. Alors, vous connaissez déjà le principe de Faites votre choix. Donc, je mélange les cartes. Je les mets comme ceci. Et je vais faire trois rangées de trois cartes. Donc, laissez-vous guider par votre intuition. Dirigez-vous vers la rangée qui vous parle le plus afin de découvrir le message qui vous est destiné. Alors choisissez bien votre rangée parce qu'ensuite vous allez rester sur la même rangée pour avec le livre. Hein. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Enfin, vous savez déjà plus ou moins comment ça marche. Alors pour les personnes qui ont choisi cette rangée, les personnes qui ont choisi la première rangée, je vois que vous avez des obstacles, beaucoup de négativité dans votre foyer. Il y a un problème familial, il y a quelque chose de lourd, quelque chose qui vous pèse. Vous avez besoin de vous libérer de ça. C'est un problème familial. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous importune? Est-ce que vous avez des problèmes familiaux? Et, ou alors, est-ce que vous sentez une lourdeur dans votre foyer? Si c'est le cas, je vous conseille vraiment de purifier votre foyer. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième rangée, alors ici vous allez vous retrouver face à un choix amoureux ou un choix par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Faites attention, faites le bon choix. La cruche, vous savez qu'elle va parler plutôt de choix un peu stupides ou ridicules. Donc soyez prudent aux choix que vous faites, aux décisions que vous prenez au niveau sentimental ou alors par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Pour les personnes qui ont choisi la troisième rangée. Alors ici, les personnes qui ont choisi la troisième rangée, il pourrait y avoir un petit souci de santé. Donc au niveau peut-être de la peau. Ou alors, parce que vous avez une allergie, il pourrait y avoir quelque chose qui vienne un petit peu vous gâcher la vie. Hein? Il pourrait y avoir une allergie, quelque chose qui démange, quelque chose comme peut-être de l'eczéma ou tout simplement une intolérance qu'il faudra bien sûr soigner. Hein? Donc, ouais, ben, elles sont pas. Voilà, les tirages aujourd'hui sont un petit peu négatifs. Enfin, négatifs, non, mais. Ils viennent nous informer vraiment des soucis qu'on pourrait avoir ces prochains jours. Donc, comme ici, on a vu, pour les personnes qui ont choisi cette rangée, il y a des obstacles, un peu des choses négatives au niveau du foyer, au niveau familial, quelque chose de lourd qui arrive, c'est pénible, c'est négatif. Donc là, je vous conseille une purification. Pour les personnes qui ont choisi la rangée du milieu, si vous devez faire des choix par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à un choix sentimental, faites le bon choix, ne tournez pas en cruche. Hein. Et puis pour les personnes qui ont choisi la troisième rangée, il pourrait y avoir peut-être une petite allergie, un petit problème au niveau de la peau, eczéma, intolérance, quelque chose qu'il va falloir soigner. Vraiment. Mais ne vous inquiétez pas, c'est passager. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi la première rangée, vous allez vous concentrer sur une question que vous souhaitez avoir la réponse. Donc, cette question, elle est vraiment pour les personnes qui ont choisi la première rangée. Vous allez bien vous concentrer sur votre question et on va découvrir la réponse dans le livre. Donc, concentrez-vous sur votre question et on va regarder un petit peu la réponse. Et ici, il est écrit oui avec beaucoup de patience. Ça, c'est votre réponse à votre question.
Pour les personnes qui ont choisi la deuxième rangée, vous allez vous concentrer sur une question. Concentrez-vous bien sur votre question et on va voir le livre ce qui va vous répondre. Les personnes qui ont choisi la deuxième rangée, vous êtes prêts? Concentrez-vous et on y va. Je tourne le livre dans tous les sens. Je le feuillette un petit peu comme ça. Et ici, nous avons la réponse « Mets de l'ordre dans ta vie ». Il faut toujours adapter la réponse à votre question ou votre situation. Donc, cette réponse est par rapport à votre question. Pour les personnes qui ont choisi la troisième rangée, concentrez-vous sur une question et on va découvrir ce que va vous répondre le livre. Concentrez-vous sur une question, ce que vous voulez. Concentrez-vous, je tiens le livre. Pour les personnes qui ont choisi la troisième rangée, on va voir ce que va vous répondre le livre par rapport à votre question. Ici, il va falloir t'armer de courage. Je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas, il va falloir vous armer de courage ou même de patience. Voilà, donc ça c'était donc le livre qui répondait à votre question. Et maintenant, je vais vous donner votre numéro de chance en rapport à la colonne que vous avez choisie. Pour les personnes qui ont choisi la première rangée, je vais vous donner votre numéro de chance que vous pouvez utiliser dans tout. Hein. Alors concentrez-vous, je tourne le livre. Quel est le numéro de chance pour les personnes qui ont choisi la première rangée? C'est le 18. Je ne sais pas si on voit pas bien, c'est un peu trouble à la caméra. Hein. Je pense qu'on ne voit pas très très bien. C'est le numéro 18. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième rangée, je vais vous donner votre numéro de chance. On va regarder. C'est le numéro 47. Pour les personnes qui ont choisi la troisième rangée, je vais également vous donner votre numéro de chance. Et c'est le numéro 33. Voilà. Le livre, n'oubliez pas de le ranger toujours dans une petite pochette, de ne le prêter à personne, car il a vos énergies. J'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir, malgré les cartes qui ne sont pas très positives. Vous savez, la vie, hein, il y a des hauts et des bas, ça ne peut pas toujours être tout positif dans la vie. Hein. On rencontre tous des obstacles, des épreuves. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura fait plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite.